suis pas du tout en accord avec la manière de réagir du gouvernement après les attentats du 13 novembre, nous privant de la liberté de se réunir, de manifester, quand l'État nous prend ça, qui serait pas possible dans le cadre autre que celui de l'état d'urgence. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un attentat. Attackers have taken control of Paris. Three sites in Paris at least simultaneously attacked tonight. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. The army and police have Paris covered. They were ordered onto the streets after the attacks of November the 13th. Now they have an added responsibility, ensuring the COP21 climate summit passes off smoothly despite the nationwide state of emergency. On sait déjà ce qui va sortir de la COP. C'est un accord qui va brûler la planète. Je suis Tchétch Etcheverry et je suis membre de la coordination des Alternativa. C'est un mouvement citoyen qui est une force collective de mobilisation sur le climat. Pendant les 15 jours de la COP21, on aide à organiser les manifestations, les marches, les actions. Après qu'il y ait eu ces attentats tragiques et sanglants, le gouvernement a non seulement déclaré l'état d'urgence, mais il a interdit toute manifestation. Nous n'acceptons pas cette interdiction. On va avancer un peu de manière à être sur les trois portes. Aujourd'hui, nous sommes venus devant le siège central de la BNP. La BNP est sponsor de la COP21. Des banques comme la BNP, en donnant les moyens d'organiser l'évasion fiscale, assèchent les recettes publiques de l'État. Et du coup, l'État, il va mendier l'aumône à ceux qui le volent. Le premier des abus, c'est d'interdire tout rassemblement, même quand rien ne le justifie. Je vais prendre un seul exemple. Le même jour, le gouvernement a interdit une chaîne humaine qui devait réunir quelques centaines de personnes pour le climat, et a autorisé un marathon qui réunissait plusieurs milliers de personnes. C'est une mise en évidence d'une interdiction politique. Nous pensons que ce que nous appelons la désobéissance civile est devenue une nécessité. Le second des abus, c'est qu'il y a eu une vague d'assignation à résidence contre des militants climat sans aucune motivation judiciaire à donner. C'est ce que permet l'état d'urgence. C'est absolument inadmissible. Quand tous les canaux de la démocratie sont bouchés, eh bien il ne reste plus aux citoyens qu'à agir directement eux-mêmes et à désobéir. L'état d'urgence touche à un certain nombre de libertés fondamentales. Les individus, ils peuvent avoir des perquisitions chez eux et pendant la nuit sans contrôle du juge. Ils peuvent avoir ce qu'on appelle une assignation à résidence, c'est-à-dire on leur demande de rester chez eux et de venir trois fois par jour à la police. J'ai prononcé ces dernières 48 heures 104 premières assignations à l'encontre d'individus qui font l'objet d'une attention particulière de nos services. La critique que l'on peut faire à ce système, c'est que les garanties juridiques sont très faibles. La deuxième critique que l'on peut faire, c'est que c'est un régime pour le cas d'un risque imminent, c'est-à-dire une extrême urgence. Donc ça signifie quelques jours, peut-être quelques semaines. J'ai décidé que le Parlement serait saisi dès mercredi d'un projet de loi prolongeant l'état d'urgence pour 3 mois. Nous allons vivre avec cette menace terroriste. Mais prolonger l'état d'urgence et prolonger les mesures d'exception, ça veut dire que l'état de droit n'est pas assez fort, n'est pas assez solide. Mais l'état d'urgence, c'est l'état de droit. If things feel sometimes a bit fuzzy and there isn't enough information, it is important to bear in mind that everything had to change within a month with authorities that literally have moved the goalpost every other day. My name is Isabelle Fremont. I'm working as a trainer for the action on December the 12th. The state of emergency has affected our organizing in many ways. We had to take into account the shock,
the grief of people who had been affected, the fact that it was a lot more risky with very increased police powers. There is still an action of civil disobedience. What changed was the nature of the actions that would be proposed. It was also very much about the climate emergency and the state emergency, and to be able to reassert that the real emergency is the climate emergency. Aujourd'hui, tous les éléments nous montrent que l'accord qui sortira de la COP21 va nous amener vers plus 3 degrés au moins. C'est pas plus 1,5 degré, c'est pas plus 2 degrés. La différence entre 3 degrés et 2 degrés est énorme. C'est une différence où on franchit des seuils d'emballement climatique. C'est vraiment pour cela que nous n'allons pas accepter l'interdiction du rassemblement du 12 décembre, parce que l'enjeu est trop fort et ça crée la responsabilité historique que nous avons pour que la société civile donne son avis et sa lecture de l'accord qui sortira de la COP21. Place yourself on the line. In a city under shock after a tragedy, it is important that things are put in place for people to feel safe, to ban protests about the climate emergency. That's a manipulation of a tragedy. We are amidst what Naomi Klein has called the shock doctrine. A shock is being used to actually push through measures that would have looked like they were illegitimate or that they would be excessive before. And because there is a state of shock, these measures are being put in place. Mais nous devons aller au-delà de l'urgence. J'estime en conscience que nous devons faire évoluer notre Constitution pour permettre au pouvoir public d'agir conformément à l'état de droit contre le terrorisme de guerre. Il y a cette idée en France que si on met quelque chose dans la Constitution, c'est plus sécurisé et c'est un progrès pour les libertés. Sauf que là, il s'agit de mettre dans la Constitution la suspension de la Constitution. Entre d'un côté l'état de droit et l'état d'urgence, il n'y aura plus véritablement de différence. Il y aura en quelque sorte un recul durable des libertés. Cette révision de la Constitution doit s'accompagner d'autres mesures. Nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Depuis plusieurs années, en France, la gauche et la droite disent une seule chose. Il ne faut pas de Patriot Act à la française. Et le sentiment que me donnent aujourd'hui les dispositions qui sont adoptées, des terroristes comme des gens qui sont en dehors du droit, les perquisitions sans particulièrement d'éléments juridiques fiables, c'est que nous sommes exactement en train de faire cela. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle. Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Nous avons lancé un grand appel au rassemblement aujourd'hui pour dire qu'un accord à 3 degrés, on n'en veut pas. What do we want? Climate justice. When do we want it? On est arrivé à se dire, il faut qu'on fasse un texte, un appel commun au soutien des mobilisations citoyennes. En deux jours, 23 000 personnes ont signé, on n'y croyait pas. En depuis ce matin, on est plus de 40 000 à avoir pris la rue, dans trois actions différentes, pour dire qu'on n'est pas satisfait des résultats de cet accord et qu'on continuera de se mobiliser, donc bravo à vous! Les blocs représentent des glaçons, comme la glace qui fond, qui est le symbole du réchauffement climatique. La ligne rouge symbolise les points à ne pas franchir pour que le réchauffement climatique s'aggrave. Juste après les attentats, on s'est rendu compte qu'en fait, il allait avoir un cadenassage. Manifestement, le président de la République et le gouvernement se sont servis de l'émotion créée par les attentats. Ils ont fait voter une loi sur l'état d'urgence qui n'est pas du tout contre le terrorisme, c'est une loi qui vise toutes les atteintes à l'ordre public. Donc je pense que c'est pour des raisons électorales, c'est pour se présenter comme plus efficace que la droite ou l'extrême droite dans l'autorité. Mais il y a une autre raison, eux-mêmes savaient, nos gouvernants, que cette conférence déboucherait sur du vent, sur des discours vides. Donc je crois qu'il y a aussi une volonté d'éviter le jugement des citoyens sur l'échec de la conférence de Paris. I have read the final agreement. It even says in the text itself, we note with concern the commitments that governments have brought do not bring us to 2 degrees Celsius or 1.5. Our leaders have shown themselves willing to
set our world on fire. Là, on est dans une bataille pour éviter le pire, mais le réchauffement climatique, il est déjà en cours. On sait très bien qu'il y aura, hélas, d'autres attentats dans le futur, parce que Daesh sont partis pour durer ou pour se reproduire sous d'autres formes. Est-ce qu'on doit arrêter nos combats contre le changement climatique pendant cette période de 10 ans où il y aura des attentats? C'est en effet l'état d'urgence. Nous avons le temps que la menace est là. Nous devons utiliser tous les moyens. Ça peut être pour toujours. That could be forever. Et il y a quelque chose de très rassurant. C'est que lorsque ces pouvoirs spéciaux sont utilisés de manière absolument absurde et déraisonnable, eh bien cela peut conduire à faire chuter le gouvernement. Il y a un cas qui est très ancien, mais qui est un cas très intéressant, qui est le cas de la révolution de 1830 en France, où le roi avait pris des mesures exceptionnelles pour suspendre la presse, et trois jours après, il n'avait plus son trône. Ce rassemblement, c'est pas fini, ça ne fait que commencer maintenant.